Ok, donc déjà elle a commencé l'enregistrement, donc pas la peine d'utiliser Camtasia, donc je vais l'arrêter. Ok, donc hier on s'est arrêté au niveau du circuit séquentiel qui permet de faire un comptage si vous voulez, ou bien un compteur de modèle 8 qui compte de 0 jusqu'à si vous voulez, jusqu'à 8. Jusqu'à 7. Pardon. Voilà, donc on avait conçu la table de vérité d'un compteur. Donc, petite révision de la séance d'hier, si vous voulez. Donc, on a essayé de construire un compteur module 8 qui s'est basé sur 3 bits. Donc, il y avait 3 entrées, 3 sorties de notre circuit séquentiel. Donc, l'entrée, c'était Q0, Q1 et Q2. Et donc, la sortie, on était obligé de calculer Q0', Q1' et Q2' qui vont être normalement notre compteur. Donc, on avait utilisé la table de Carnot, si vous voulez, pour dégager les fonctions logiques de Q0', Q1' et Q2'. Donc, on avait montré sur place d'où vient Q'0 et Q'1. Et donc, je vous ai laissé de dégager la valeur de Q'2 en utilisant la table de Carnot, c'est-à-dire en utilisant les trois entrées Q0, Q1, Q2 et bien sûr la sortie Q2' pour dégager la fonction logique en utilisant le tableau de Carnot. Voilà, donc on avait vu aussi la création du circuit combinatoire. Donc on avait trouvé que le compteur n'est qu'un ensemble de circuits combinatoires, c'est-à-dire on avait utilisé le porte XOR, deux portes XOR, et puis un produit, porte AND si vous voulez, et un inverseur pour dégager premièrement Q'0, et puis Q'1 et Q'2. Et donc on avait vu sur Proteuse, le circuit suivant, donc il permet d'afficher hein, le numéro correspond à l'entrée qu'on désire bien sûr envoyer sur notre circuit séquentiel en fait. Donc en totalité. Voilà, donc on l'avait fait comme exemple, mais ici normalement cet exemple était un peu limité parce que nous on s'intéresse à faire un compteur qui compte automatiquement de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7, et puis on fait il s'incrémente de 0 à nouveau de 0 à 7. Et donc c'était pas possible en utilisant simplement les circuits combinatoires. Et on a dit que pour ce faire, donc on va utiliser ce qu'on appelle les bascules. Et donc commençons par la bascule la plus utilisée, la plus fréquente, c'est les bascules. Donc dans le même cadre, c'est-à-dire toujours pour chercher à concevoir un compteur module 8, donc on utilisera cette fois-ci des bascules. Donc chaque sortie Q' I devront être mémorisées, bien sûr. Nous utiliserons une bascule D par sortie. Donc chaque sortie va avoir une bascule, si vous voulez, une bascule D. En utilisant l'équation qu'on avait déjà vue des bascules D, donc la sortie. Donc, on essaie de recopier l'entrée D, c'est-à-dire cette entrée-là, il va être recopié sur la sortie, si vous voulez, Q'0, si vous voulez Q'. Donc, il nous suffit alors de brancher chaque sortie Q'. À chaque sortie Q', il faut la brancher avec l'entrée D. Donc, chaque sortie Q', elle va être branchée à l'entrée D. Donc, c'est ça le fonctionnement normalement technique de basculer. Donc, voilà. Donc, Q'0, il va être réinjecté dans Q0. Q'1, il va être réinjecté dans D. Et Q'2, il va être réinjecté dans D. Et donc, on va essayer d'utiliser un horloge pour toutes les trois bascules. Et donc, de cette manière, on peut concevoir un compteur module 8, c'est-à-dire en utilisant trois bascules D. Donc, à quoi ça va ressembler? Donc, ça, c'est l'exemple suivant, mais sauf que cet exemple-là, il est conçu sur le logiciel Proteus, et donc, c'est le même fonctionnement que celui-là. Ça, c'est d'une manière générale, théoriquement, pour bien illustrer les choses. Et donc, voilà, donc, en pratique, à quoi ça ressemble. Donc, on va essayer de le réaliser tout de suite. Donc, ça, c'est un compteur module 8 à base des bascules D. Cette fois-ci, on va utiliser la bascule 40, 13, c'est-à-dire le code technique, si vous voulez, dans Proteus professionnelle, si vous voulez. Donc, on va essayer de réaliser ce circuit, c'est-à-dire on va essayer de réaliser un compteur modulo 8 en se basant sur une bascule, les bascules D, si vous voulez.
Donc, en attendant le lancement de notre logiciel, OK. Donc, on va essayer de créer un nouveau projet. Alors, oui, donc, OK, New Project. Oui, donc, il va remplacer le projet existant. Create PC de la Youth. Et voilà, donc on a créé un nouveau projet dans lequel on va essayer de réaliser le circuit, si vous voulez, séquentiel basé sur des bascules D. Donc voilà, donc on doit tout d'abord partir vers la bascule 43. Donc on va importer la bascule 43, si vous voulez. Voilà la bascule D, si vous voulez. Donc on va l'insérer dans notre workspace. Alors on aura besoin aussi d'un afficheur 7 segments. Pour afficher la sortie, 7 segments. Donc on va essayer de choisir green, the green one. Ok, donc et après, voilà, donc c'est tout ce qu'on aura besoin, je pense. Voilà, donc notre bascule, la première, la deuxième, et puis la troisième bascule. Donc le fonctionnement des bascules est tout à fait simple. Donc il suffit de réinjecter, si vous voulez, l'entrée ou bien la sortie, si vous voulez, Q' vers, bien sûr, l'entrée de notre bascule. Le fonctionnement généralement des bascules D est toujours unique. Ils sont utilisés de la même manière, n'importe où, si vous voulez. Donc, toujours la sortie Q', si vous voulez, à l'instant T plus 1 ou bien l'instant I plus 1 vont être réinjectés à l'entrée pour toutes les trois bascules, si vous voulez. Voilà, donc on a injecté Q' chaque sortie Q' dans, bien à l'entrée. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit brancher l'horloge dans sa place, c'est-à-dire clock, c'est-à-dire l'horloge. Donc on va essayer d'utiliser un horloge dynamique. Donc des clocks, ça s'appelle des clocks. Ok, là, donc, on va essayer d'utiliser notre horloge. Voilà, qui va servir comme déclencheur et enclencheur de notre bascule. Donc voilà, donc la première bascule va être déclenchée par l'horloge et la première bascule va servir comme un horloge de la deuxième bascule, si vous voulez. Donc au lieu d'utiliser le même horloge pour toutes les bascules, donc chaque bascule va servir l'horloge de l'autre. C'est une raison. C'est pour la raison dont on avait utilisé pour le cours, normalement ici, pour avoir ce chronogramme-là. Donc, on avait dit que le premier horloge sur une période T, donc, il incite, si vous voulez, la première sortie Q0. Donc, la période de Q0, c'est T, c'est 2 fois T. Donc, c'est 2 de la période de l'horloge. Même chose pour Q1, c'est 2 de la période de Q0. Et même chose. Q2, c'est 2 fois la période Q1. Et donc, ça revient en fait à utiliser chaque base, la sortie de chaque bascule qui va servir l'horloge de l'autre bascule, si vous voulez. Donc, c'est à partir d'ici qu'on avait tiré cette conclusion. Voilà, donc, l'autre bascule 2, la deuxième bascule va être comme horloge 2 de la troisième. Et donc, ce qui reste maintenant, c'est brancher notre afficheur 7 segments, si vous voulez. Donc on va essayer d'afficher ici. Donc voilà la première sortie Q'0 qui va être branchée avec notre afficheur LCD, c'est le bit de point faible. Puis Q'1, si vous voulez, va être branché dans le deuxième bit, et le bit de point fort, c'est le Q'2, si vous voulez, qui va être branché au niveau du troisième porte. Alors le quatrième, on ne va pas l'utiliser, il est toujours à zéro, donc on va utiliser une masse pour le forcer toujours à la valeur 0. Donc on va essayer d'intégrer ground pour mettre toujours cette patte, si vous voulez, à 0. Donc on va utiliser que ces 3 bits qui vont servir comme compteur de 0 si vous voulez, jusqu'à 7. Donc on va essayer de faire la simulation de notre compteur. Voilà 0, 1, 2,
3, 4, etc. Donc on va essayer est-ce qu'il va s'arrêter au niveau de 7 puis redémarrer ou pas. Voilà, donc ça c'est notre compteur normalement dynamique en utilisant ce qu'on appelle les bascules. Et donc jusqu'à maintenant, on sait très bien l'utilité des bascules via cet exemple pratique, si vous voulez. Donc il nous aide à, si vous voulez, à concevoir des circuits séquentiels dynamiques. Et donc là, on a introduit la notion du temps, si vous voulez, en introduisant l'horloge. Donc l'horloge suite à l'impulsion des horloges, mais aussi un carré de l'horloge, les bascules changent d'état fréquemment, c'est-à-dire dans le temps, dans des fréquences bien sûr bien déterminées. J'arrête. Donc ça, c'est notre compteur, si vous voulez, en se basant sur les bascules T. Et donc jusqu'à maintenant, j'espère que l'utilité des bascules, spécialement des bascules T, est claire. Voilà, donc on pourrait faire la même chose, mais là aussi en utilisant un autre type de bascule, c'est-à-dire toujours en travaillant avec les bascules T, mais cette fois-ci, on utilisera une autre bascule qui porte si vous voulez, le code 7474. Donc c'est la même chose, sauf que là, il contient un inverseur, si vous voulez, au niveau du pattern, c'est-à-dire pour les resets. Ça sert à la reset des bascules. Et donc le principe d'utiliser quatre bascules, c'est-à-dire ça revient à utiliser 4 bits, si vous voulez, 4 bits pour faire un compteur modulo 7. Mais cette fois-ci, le quatrième bit, ça serait un bit de test. C'est comme si on essaie d'incrémenter notre bascule 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, jusqu'à avoir 1, 1, 1. Et donc, une fois qu'on incrémente 1, 1, 1 et on passe à 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire pour 8, donc on essaie de récupérer la valeur, ou bien la dernière, ou bien la dernière, bon, la valeur du dernier bit et faire un test et voir est-ce que la sortie de la quatrième bascule, s'il est égal à 1, donc on veut faire un reset, si vous voulez, de toutes les autres bascules. Donc on va lui forcer de revenir à 0. Donc c'est carrément le même. On fait la même chose, sauf que là, le principe diffère. Et donc en utilisant cette bascule de test, elle ne va pas être utilisée par le compteur, mais on va essayer de faire un test pour que le compteur revienne à 0. Donc une fois le quatrième bit est à 1, donc on essaie de faire une reset, si vous voulez, une reset pour toutes les autres bascules. Ils vont revenir à 0 pour refaire le comptage, si vous voulez, à 0. Et donc, c'est carrément fait la même chose. Vous pouvez le vérifier tout de suite. Voilà, donc c'est un compteur module 8, si vous voulez, mais cette fois-ci, on va utiliser une autre bascule qui a un inverseur au niveau du reset. Et donc là, lorsqu'on incrémente le compteur par un bit, si vous voulez, sur 3 bits, alors une fois qu'on atteint plutôt le quatrième bit, c'est-à-dire une fois que le quatrième bit est à 1, donc on a dépassé, si vous voulez, la valeur de 7, donc on récupère la sortie du quatrième bit. Voilà, il est là. Et donc on va vérifier est-ce qu'il est égal à 1. Donc on va essayer de calculer le produit. Si le produit est égal à 1, donc on va appliquer un inverseur qui va envoyer un 0 pour tous les quatre, si vous voulez, toutes les quatre bascules, donc il va les forcer à 0. Donc automatiquement, il ne va pas afficher ici la huitième valeur, parce que là, on l'a forcé à 0. Une fois que le quatrième bascule atteint la valeur 1, donc on force tous les autres bascules à 0. Et donc obligatoirement, il va refaire le calcul, ou plutôt le comptage à 0. Et donc on va essayer de voir ici, on va essayer d'éliminer cet inverseur et voir ce qui se passe là. Donc ce qui se passe sans inverseur. On va essayer de supprimer celui-là. On va essayer de voir c'est quoi l'utilité normalement du test de la quatrième bascule. Donc on va essayer de lancer la simulation. Donc il est toujours à 0. Donc on doit obligatoirement inverser parce que là, on inverse toujours, on force les valeurs des autres bascules, si vous voulez, à 0. Parce que là, il est toujours vrai. Hein, parce qu'il est toujours vrai, donc toujours une sortie qui est égale à 1. Et donc il a mémorisé la dernière valeur pour la bascule D. Et donc il force toujours
toujours, à chaque signal d'horloge, il force toujours les bascules à zéro, et donc il affiche toujours un zéro. Voilà, donc c'est ça l'utilité normalement de ce qu'on appelle, pardon, je dois arrêter la simulation. Ok. Donc je vais ramener. Et je vais ramener l'inverseur. Et donc, c'est clair maintenant l'utilité de l'inverseur. C'est-à-dire une fois que la quatrième bascule atteint 1, donc il force les autres bascules à 0 pour ce qu'il repart ou bien pour ce qu'il recommence. On commence à zéro. Donc voilà grosso modo comment utiliser les bascules si vous voulez pour la réalisation des compteurs. Parce que les compteurs sont utilisés partout dans les ordinateurs, tout appareil si vous voulez électronique. Voilà, donc maintenant passons à la réalisation de la même chose, c'est-à-dire on va essayer de réaliser le même compteur, mais cette fois-ci en utilisant quoi? En utilisant des bascules GK. Et donc on va essayer de voir que c'est plus simple qu'une bascule D. Et donc la réalisation des bascules GK. Moins coûteux et plus simple que les bascules D. Alors la réalisation avec les bascules D est la plus directe, c'est-à-dire elle est trop utilisée, mais ce n'est pas optimal. Mais pas toujours celle qui donne le circuit le plus simple. Donnons maintenant une construction, si vous voulez, du compteur en utilisant la bascule GK qu'on a vu hier, si vous voulez. Donc on rappelle le fonctionnement de la bascule GK. Et donc ça c'est un rappel qu'on avait déjà vu. Alors pour passer de l'état Q à Q', donc il suffit d'agir que sur K et J. Donc pour rester à l'état 0, donc il suffit de mettre J à 0 et on s'en fout de la valeur de K. Tout en utilisant ici, en appliquant la formule de Q' qui est égale à G bar Q, et on revient à l'équation si vous voulez de la bascule GK. Voilà, donc en appliquant ça, en appliquant cette équation, Q' égale à J Q bar plus K bar Q. Et donc à chaque fois qu'on agit sur la valeur de J ou bien la valeur de K, on aura un passage de Q' à Q0. Et donc ces passages sont bien résumés dans ces équations-là. Et donc ça, c'est le fonctionnement principal, si vous voulez, pour savoir comment manipuler les bascules GK. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre en tête ces différents passages. Ok, donc là, je vais essayer de l'expliquer un peu plus en détail. Alors, toujours pour la réalisation, donc en se basant toujours sur le passage, si vous voulez, les passages de Q à Q' pour élaborer cette table de vérité. Donc, on va essayer de respecter ce passage, s'il vous plaît. Alors, pour le premier, pour passer de 0 ou bien de rester de 0, de rester dans le cas 0, donc il suffit de mettre J égal à 1. Donc, prenons par exemple le premier cas, donc prenons Q0. Et alors, de passer de Q0 à 1, c'est-à-dire de Q0 à Q0', c'est-à-dire de passer de 0 à 1, c'est-à-dire on est dans le deuxième cas. Donc, on veut passer de 0 à 1, donc il suffit de faire J à 1. Et donc, là, pour passer de 0 à la valeur de 1, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit maintenant de mettre J, si vous voulez, à 1. Et donc là, on va mettre J0 à 1, et on s'en fout de la valeur de K0. Que ce soit 1 ou 0, c'est pareil, donc ça ne va rien changer. Donc, ça ne nous intéresse pas. Alors, le deuxième cas, donc le fait de passer de 1 à la valeur 0. Et donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire ici? Donc, on est dans le deuxième, ou bien dans le troisième cas. On est dans le troisième cas, donc on veut passer de 1 à 0. Et donc, il faut mettre K1, et on s'en fout de la valeur de J. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est K, c'est K0 qui va être à 1, et on s'en fout de la valeur de J0. Et donc, c'est pareil pour toutes les autres passages. Donc, il suffit d'appliquer ces quatre passages pour n'importe quelle valeur, passant de Q à Q'. C'est-à-dire, même chose qu'on avait fait pour Q0, il faut le faire pour Q1 et il faut le faire pour Q2. Donc, de cette manière, on pourrait avoir cette table de vérité, si vous voulez, qui englobe le fonctionnement de la bascule GK.
Voilà, donc grosso modo, la table de vérité, si vous voulez, du compteur qu'on peut réaliser avec la bascule GK. Et donc là, c'est un petit résumé de ce qu'on doit quand même faire, mais on va expliquer ensemble cette étape. Donc le circuit suivant est un compteur monolithe à base de bascule GK, mais d'où viennent par exemple ces équations logique si vous voulez. Alors, d'où viennent ces équations logiques si vous voulez? C'est la même chose qu'on avait fait avec les bascules en utilisant des circuits combinatoires pour dégager le Q0', le Q1' et le Q2'. Donc, on avait appliqué la table, on a plutôt extrait la table de Carnot à partir de la table de vérité. Et donc là, pour chercher ces équations-là, il suffit d'appliquer la table de Carnot sur cette table de vérité. Alors, lorsqu'on cherche par exemple G0, donc on va avoir Q0, Q1, Q2 et G0. Et donc on va essayer de chercher l'équation, si vous voulez, logique de G0. Bon, est-ce que c'est clair jusqu'ici? C'est clair le passage entre la table de vérité et la recherche des fonctions logiques G, J et K? Alors je pose la question, comment peut-on trouver G0? Alors, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui peut m'expliquer d'où on va tirer G0 et K0? Alors oui, j'attends votre feedback. Alors, d'où on va tirer G0 et K0? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait m'expliquer au moins que dois-je faire? Ok. D'accord. Bon, là, j'ai dit qu'il faut appliquer. La table de Carnot, la table de Carnot en se basant sur cette table. Donc, je vais essayer de faire l'exemple pour dégager G0. Et donc, vous faites la même chose pour toutes les autres fonctions logiques, si vous voulez. Donc, on va essayer de faire la table des vérités, si vous voulez, ou de chercher la fonction logique G0. Et donc, vous faites la même chose pour les autres fonctions logiques. Alors, en attendant, pour que la page se charge. OK. D'accord. Alors, on va essayer de reprendre la table de vérité qu'on a. Oui, donc c'est Q2, Q1. Q0 et puis G0. Voilà donc la table de vérité qu'on a. Et puis, alors la première valeur c'est 0, 0, 0. 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. Pardon. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0, et puis 1, 1, 1. Donc, les 8 possibilités qu'on peut donner à la valeur de Q0, Q1, Q2. Voilà, donc on va chercher maintenant les valeurs de Q0, si vous voulez. Alors, c'est 1 tiret, 1 tiret, etc. Donc, on aura 1 tiret, 1 tiret, 1 tiret, 1. Donc c'est ça si vous voulez, notre table de vérité. Donc on va essayer de tracer maintenant la table de calcul. J'ai pas suffisamment d'espace pour tracer la table de Carnot. C'est pas grave. Ok, donc voilà notre table de Carnot. On va essayer de l'extraire ici. Ça, c'est Q2, si vous voulez, Q1 et Q0.
Donc, 0, 0, 0, 1, 1, 1, si vous voulez, et puis 1, 0. Et là, on aura deux valeurs, c'est 0, 1 pour Q0. Et donc, on cherche 0, 0, 0, c'est un 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, tiré, 0, 0, 1. Ok, donc, c'est 0, 0, 1. C'est ici 1. Puis, on va essayer de vérifier, donc c'est 1, 0. Alors, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, c'est pas ici. Hein. Donc, normalement, c'est ici 0, 0, 1, 1. Puis, celle-là, 1, 0, 0, donc 1, 0, 0, ici. Et puis le quatrième, c'est 1, 1, 0. Donc 1, 1, 0, c'est ici. Et donc on aura des tirés. Donc les tirés ne nous intéressent pas pour le moment. Et donc voilà notre fonction logique en faisant le regroupement le plus élevé, le plus grand possible. Et donc là, on aura le G0 qui est égal à quoi? Donc là, on cherche la variable qui ne change pas de valeur durant ce regroupement. Et donc ce n'est que Q0 bar, si vous voulez, et donc G2 c'est Q0 bar. Voilà notre première fonction logique, si vous voulez, de G0 qui est égal à Q0 bar. Et donc, de la même manière, vous pouvez dégager les différentes, si vous voulez, les différentes fonctions logiques de J et K. Alors, est-ce que c'est clair pour l'exemple? Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je pose là, est-ce que c'est clair? Si c'est oui, ok, il faut le confirmer. Sinon, je refais ou bien je réexplique. C'est clair, ok. D'accord, donc en faisant ou bien en appliquant, si vous voulez, la table de Carnot sur la table de vérité qu'on vient de dégager en utilisant les règles de passage pour les bascules GK. Et donc, maintenant, pour dégager ce circuit, si vous voulez, séquentiel, en appliquant ces fonctions logiques, c'est très simple là. À faire. Alors tout d'abord, on prend trois, si vous voulez, trois bascules GK, trois bascules GK. Et pour Q0, c'est quoi Q0 normalement? Si vous voulez, non, on cherche les valeurs de JK. Donc, pour Q0, J0 égale à Q0 bar. Donc voilà Q0 qui va être réinjecté à l'entrée, mais en appliquant un inverseur pour que J reçoive 0 bar. Donc on va appliquer un inverseur pour si vous voulez introduire ou bien réinjecter le Q0 bar dans l'entrée G. Et pour K0, ce n'est que Q0. Donc on va réinjecter Q0 tel qu'il est dans l'entrée J. Et donc voilà le premier branchement de la première bascule. La deuxième bascule, donc on va essayer de chercher le G1 et K1. Donc, il est égal à Q0, Q0. Donc, on va essayer de réinjecter le Q0. Voilà, le Q0 qui va être réinjecté. Donc, j'ai IK pour la deuxième, si vous voulez, la deuxième bascule. Pour la troisième bascule, donc la troisième bascule, c'est-à-dire pour G2 et K2, donc ce n'est que le produit de Q0 et Q1 qui va être réinjecté dans G2 et dans K2. Donc, on va calculer le produit de K0, Q0 et Q1 qui vont être calculés avec la logique AND, pardon, OR, et puis AND, pardon, et puis le produit va être réinjecté dans J et dans K. Et donc de cette manière, on pourrait concevoir ce qu'on appelle un compteur modulo 8, si vous voulez, modulo 8. Donc vous pouvez constater que c'est plus simple et plus évident, plus évident plutôt qu'utiliser les bascules. Donc remarquons que le circuit obtenu est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple et aussi moins coûteux parce qu'on n'utilise pas beaucoup de ports logiques, si vous voulez, et on n'a pas beaucoup de branchements, si vous voilà. Donc grosso modo, une petite partie de ce qu'on pourrait quand même voir comme circuit séquentiel, on n'a pas vu tout ce qui concerne les circuits séquentiels, mais ce sont quelques flashs, si vous voulez, pour voir l'utilité des circuits séquentiels dans l'objectif de comprendre
comment la mémoire est conçue sur notre ordinateur, si vous voulez, comment les additionneurs, les compteurs, les soustracteurs, les diviseurs, comment ils sont conçus à base de, si vous voulez, de circuits séquentiels, en se basant notamment sur ce qu'on appelle les bascules. Voilà, donc il y a une autre manière, si vous voulez, pour dégager les fonctions logiques de Q'0, Q'1 et Q'2, si vous voulez, à part ce passage, à part d'appliquer le passage de la table Carnot. Donc, vous pouvez dégager ou bien chercher les équations de Q'0 et Q'1 ou Q'2 en utilisant la définition basique des bascules GK. Et donc, Q' est égal à JQ bar plus K bar, si vous voulez, Q bar fois Q1, K bar plus fois Q1. Donc, vous pouvez appliquer directement si vous voulez, cette équation pour dégager les valeurs de Q0, Q01 et prime et Q2 prime. Donc, je vous laisse le soin de chercher d'où viennent ces équations à titre de question, si vous voulez. Donc, essayez d'appliquer cette fonction-là, cette définition, si vous voulez, pour chercher le Q'0, le Q'1 et le Q'2. Donc, faut le faire comme à titre d'exercice, si vous voulez, à titre d'exercice pour bien s'entraîner à manipuler l'équation, si vous voulez, des fonctions GK. Donc, et je reviens là-dessus dans une séance ultérieure. Ok, alors voilà, donc là, on pourrait carrément constater comment les registres sont construits à base de bascule D, si vous voulez, ou de bascule, je sais pas moi, X, JK, RS, T, etc. Donc, on a beaucoup de bascules. Donc, pour nous, on a essayé de voir quelques-uns. Alors, puisque les bascules permettent la mémorisation des bits, donc, ils sont le composant principal des registres. Donc, les registres qui composent normalement notre mémoire, mais la mémoire de l'ordinateur, est composée à base de bascules, parce que les bascules permettent de sauvegarder, de mémoriser l'état, son état avec bon, l'état où bon, il permet d'enregistrer ou bien de mémoriser un bit, c'est-à-dire un état, que ce soit 0 ou 1. Alors, voici par exemple un registre à 4 bits. Donc, ça, c'est un registre qui permet de manipuler, de stocker ou bien de faire la modification ou l'enregistrement de 4 bits, c'est-à-dire un module capable de mémoriser un mot de 4 bits. Et donc là, ça revient à justifier, par exemple, pourquoi on avait conçu des variables en langage de programmation, pourquoi les entiers sont codés sur 8 bits, pourquoi les réels sont codés sur 2 octets ou 4 octets, etc. Donc voilà, donc la taille, il est calculé en fonction de la capacité de traitement de l'information, que ce soit au niveau du stockage ou bien au niveau de la lecture ou d'écriture. Alors, l'entrée W dans notre registre, si vous voulez, or dans l'écriture de l'entrée D3, D2, D1 et D0 dans le registre. Donc, on a si vous voulez, un signal qui, à chaque fois, envoie une impulsion, c'est-à-dire qui va être un horloge et qui va orienter la bascule. Est-ce qu'elle est en écriture seule ou en lecture seule? Est-ce qu'elle permet de stocker ou de modifier la valeur existante, etc. Donc, ça, c'est un horloge normalement d'écriture, si vous voulez. Donc, en synchronisme avec le signal d'écriture W, le registre mémorise les données présentes dans les données, si vous voulez, en entrée, D0 jusqu'à D3. Donc, ils sont conservés jusqu'au prochain signal de la commande W. C'est-à-dire jusqu'au prochain signal de l'horloge. Donc, les valeurs mémorisées peuvent être lues sur les sorties Q1 jusqu'à Q3, si vous voulez, Q0 jusqu'à Q3. Voilà, donc là, l'entrée est présentée sous forme de 4 bits D. Et suivant le signal de W, c'est-à-dire l'horloge, on va essayer de modifier la valeur de Q qui va être comme sortie S0 jusqu'à S3. Donc ça, c'est grosso modo le fonctionnement des registres qui sont construits à base de bascules, si vous voulez. Donc on va essayer de dire quelques mots quand même sur le stockage de la mémoire et aussi les registres. Donc il existe différentes variables, ou bien variantes, pardon, de registres. Par exemple, les registres à décalage qui permettent de décaler le mot stocké en mémoire, décalage que ce soit à droite ou bien à gauche. Et j'en suis sûr que vous avez déjà manipulé des programmes, que ce soit en langage C ou d'autres langages, qui permettent de faire, par exemple, un décalage à gauche ou à droite, c'est-à-dire tout en décalant un bit
à gauche ou à droite. Donc un registre à décalage à droite peut être utilisé comme un diviseur par deux, c'est normal. Lorsqu'on fait un décalage à droite, c'est comme si on divise par deux. Alors qu'un registre à décalage à gauche agit comme un multiplicateur par deux, c'est normal. Donc c'est la définition de la logique binaire, si vous voulez. Et donc, un registre est une mémoire qui se trouve à l'intérieur du microprocesseur, c'est normal. Donc, le temps d'accès à un registre est très rapide. Donc, il est à l'ordre de nanosecondes, de microsecondes. Ce sont des mémoires très rapides. C'est pourquoi ils sont très chers. Donc, le coût de fabrication est très élevé. Donc, c'est la raison pour laquelle le nombre de registres dans un microprocesseur est très limité. Donc, on n'a pas beaucoup de registres normalement dans la mémoire. Et le coût d'un ordinateur, normalement, repose sur la mémoire vive, c'est-à-dire la mémoire vive ou la mémoire tampon. Donc, c'est ça ce qui rend un peu le matériel un peu cher. Donc, c'est la nécessité d'utiliser des mémoires de performance, si vous voulez. Alors, la taille de registres dépend des microprocesseurs. Donc, on peut trouver des registres 8 bits, 16 bits, 32 bits, soit 64 bits. Donc, là, par exemple, les versions qu'on a Windows 32, 64, donc on parle du nombre de bits, si vous voulez, manipulés par les registres du processeur. Et donc voilà, donc grosso modo, d'où vient cette notion si vous voulez, des types de registres 32, 64 utilisés actuellement, voire plus dans d'autres ordinateurs. Alors, dans un registre à décalage, les bascules sont interconnectées de façon à ce que l'état logique de la bascule de rang i puisse être transmis à la bascule de rang i plus 1 ou i moins 1. Alors, quand un signal d'horloge est appliqué à l'ensemble des bascules. Donc, ça, c'est normal, c'est le fonctionnement des registres appliqués, pardon, des bascules appliquées, bien sûr, sur les registres. Alors, à titre de savoir, l'information peut être chargée en deux manières, que ce soit en parallèle ou bien en série, c'est-à-dire en parallèle en utilisant un lot, c'est-à-dire un nombre de bits à la fois, ou bien bits par bit. Ce sont deux façons de, si vous voulez, de chargement des données, si vous voulez, ou de manipulation de données par les registres. Alors, pour les bandes de registres, les bandes de registres contiennent plusieurs registres, si vous voulez, donc un cumul des registres. Pour composer ce qu'on appelle la mémoire morte, si vous voulez. Donc, il est possible de sélectionner un ou plusieurs registres pour l'utilisation, bien sûr, pour la lecture ou l'écriture via leur adresse. Via leur adresse, bien sûr, adresse mémoire. Alors, pour adresser le bon registre, si vous voulez, on utilise des décodeurs, un décodeur qu'on va voir en TD, ou des multiplexeurs aussi, qu'on avait déjà vu dans les circuits combinatoires. Et puis, voilà, ou bien des multiplexeurs. Ce sont des types de circuits combinatoires qu'on utilise souvent dans les unités arithmétiques et logiques. Alors, le fonctionnement d'un bond de trois registres, si vous voulez. Donc, nous allons essayer d'expliquer le fonctionnement de la conception d'un bond de n plus 1 registre stockant des mots de taille 3, si vous voulez. Donc, ça, c'est un exemple. On essaie de rapprocher un peu le principe de fonctionnement de l'unité arithmétique logique en utilisant trois registres. Donc, il est possible d'écrire dans un registre et de lire en parallèle le contenu de deux registres. Donc, on va essayer de lire le contenu de deux registres et on va écrire le résultat dans un troisième qu'on va stocker dans la mémoire quelque part. Donc, ce type de banque de registres est couramment utilisé comme avec une AUL, une unité arithmétique logique. Donc, c'est le même fonctionnement. Sauf que là, on agit sur la rapidité, sur aussi le temps d'exécution, aussi la complexité des opérations effectuées par un microprocesseur. Alors, les opérandes d'un calcul sont contenus dans les registres et sont lus simultanément. Donc, on essaie de lire simultanément le contenu des deux opérandes, si vous voulez. Le résultat de l'opération est ensuite stocké dans un autre registre, si vous voulez. Alors, et le schéma suivant, on va essayer de schématiser le processus et voir comment ça se passe normalement petit à petit. Normalement, ce schéma illustre une unité arithmétique logique, si vous voulez, son fonctionnement avec, bien sûr, de la mémoire. Et la mémoire, ce n'est qu'un ensemble d'accumulations de registres, si vous voulez. Donc, un bon de registres, donc c'est la superposition de plusieurs registres composent ce qu'on appelle la mémoire. Donc, notre objectif dans cet exemple-là, c'est de lire la valeur de A et puis la valeur de B et faire le calcul avec l'unité arithmétique logique puis le stocker quelque part. Donc voilà, la première étape qu'il faut faire, c'est la lecture simultanée. Donc on essaie de lire le contenu de ce registre,
c'est-à-dire le registre qui contient A, et le registre qui contient B, ou bien l'accumulateur. Donc, on essaie de faire une lecture en parallèle hein, de ces deux registres-là, d'accord? Qui sont stockés, bien sûr, dans des bascules, bit par bit. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? On fait la lecture dans d'autres registres séparément, à part, donc, qui vont servir comme des opérandes de nos nombres à faire, par exemple, de nos opérandes. Notre objectif, c'est faire l'opération entre A et B, une opération entre A et B. Donc, une fois on a lu de la mémoire A et B, donc, ils sont chargés dans d'autres registres qui vont servir comme entrée à notre unité arithmétique et logique. Après, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il prend les deux variables et il calcule leur somme, c'est-à-dire une opération quelconque. Donc, c'est une opération arithmétique, par exemple, la somme. Donc, il fait la somme dans un troisième registre à part celui qui contient A et B. Et une fois qu'il a effectué le calcul, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc, il envoie le résultat, si vous voulez, pour le stockage dans la mémoire morte, dans un quatrième registre qui va recevoir le résultat de la lecture, si vous voulez, de l'opération, si vous voulez, arithmétique qu'on vient de réaliser. Voilà donc grosso modo le fonctionnement d'une unité arithmétique logique en collaborant, en interconnexion, si vous voulez, avec la mémoire qui n'est qu'un mode de registre, si vous voulez, qui est superposé pour former ou bien pour stocker, si vous voulez, de l'information manipulée par notre ordinateur. Et donc voilà, on a atteint la fin de notre chapitre qui parle grosso modo des circuits séquentiels et leurs utilités, si vous voulez, pour la conception, la création, si vous voulez, des ordinateurs. Et donc, les circuits séquentiels, c'est un élément très, très important, très essentiel pour la construction, pour le fonctionnement plutôt des ordinateurs actuels. Donc, voilà, donc, j'arrête à ce niveau-là pour ce chapitre. Et là, je vous donne, si vous voulez, la parole. Si vous avez des questions ou des parties qui ne sont pas claires, il faut le dire. Alors, c'est à vous la parole si vous avez des questions, des remarques, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qu'il faut réexpliquer avant de passer à la série 2. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, j'ai une question qui ne concerne pas ce chapitre-ci. C'est au niveau des tables de oui. Carnot. Pourquoi oui. On met le 1-1 avant le 1-0 en fait? C'est une bonne question. Ça, c'est M. Carnot qui a déposé cette table. Il a insisté sur sur le respect de cette notation. Pourquoi? Parce que ce qu'on pose dans la table Carnot, ce sont des cases adjacentes. Ce sont des cases adjacentes. Et donc, on doit respecter cette notation pour que chaque case soit adjacente de l'autre. Alors, si on part de 0-0, pardon, je vais l'expliquer dans un exemple. Voilà, donc, par exemple, ici, hein, ici, 0-0 et 0-1, ce sont deux cases adjacentes parce qu'on ne change qu'un seul bit. Alors, si je pose 0,1 puis 1,0, donc il y a un changement de 2 bits, c'est-à-dire ils ne sont plus adjacentes. Le 0,1, c'est plus adjacent avec 1,0 parce qu'il y a un changement de 2 bits à la fois. Ils ne sont pas adjacentes. La règle de Carnot, il faut que les cases qu'on dépose ici, il faut qu'elles soient adjacentes. Et vous avez déjà la définition des cases adjacentes dans le deuxième chapitre. C'est très bien expliqué. Donc 0,0, 0,1, donc on doit avoir qu'un changement d'un seul bit. Donc là, 0,0 et 0,1, donc on a un changement d'un seul bit, c'est celui-là, c'est-à-dire le Q1 bar, qui change de Q1 bar à Q1. Et ici aussi, on a un seul changement, c'est le Q2 bar qui va devenir Q2. Même chose pour entre 1,1 et 1,0. Donc ce sont des cases adjacentes, donc on n'a pas le droit d'inverser l'ordre. Si jamais on met 0,1, 1,0, donc 0,1 et 1,0, ce ne sont plus des cases adjacentes, parce qu'on a un changement de deux états à la fois. Est-ce que c'est clair, M. Dojo? Est-ce que c'est clair, M. Kojo? M. Kojo, est-ce que c'est clair?
Oui, c'est clair, monsieur, merci. Ok, alors s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques que vous n'avez pas encore saisies ou quelque chose qui n'est pas clair. Alors, monsieur Amine, oui. C'est clair? Ok, c'est très bien. Donc, est-ce qu'on peut passer maintenant à la série 2? Très bien. Alors, la série 2, je pense que c'est une série, si vous voulez, pour se rappeler plutôt de la manipulation des bases, si vous voulez, des bases binaires, que ce soit binaire ou hexadécimal, octal, etc. Donc, ce n'est pas grand-chose à mon avis. Mais quand même, on va essayer de voir quelques flashs, hein. Et si jamais vous avez quelques questions au niveau de la série, il faut le dire pour mettre l'accent sur vos problèmes rencontrés durant la série. Ce que vous connaissez, ce que vous savez faire, vous avez déjà fait, donc pas la peine de le refaire. Donc on va essayer de voir un petit survol, si vous voulez, sur la série 2, si vous voulez. Ok. Et je sais, bon, j'en suis sûr que vous avez tous la série devant vous. Ok, commençons par l'exercice 1 de la série. L'exercice 1, c'est une conversion vers décimale. Alors, exercice 1. Exercice 1. Conversion décimale, c'est-à-dire binaire. Hein, on parle du binaire vers le décimal. Et donc là, vous appliquez directement la règle. Donc, prenons par exemple le 1,01, on passe 2. Pour faire la conversion, donc c'est 1 multiplié par 2 à la puissance 2, plus 0 multiplié par 2 à la puissance 1, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 0. Et donc, ça, ce n'est que 4 plus 0 plus 1 qui est égal à 5 en décimal. Donc, c'est clair maintenant le passage. Même chose pour le 1,01 en base 16, si vous voulez. 1,01 en base 16. Est-ce que c'est la peine de continuer ou je passe l'exercice? Donc c'est 1 fois 16 à la puissance 2, plus 0 fois 16 à la puissance 1, plus 1 fois 16 à la puissance 0. Et donc vous faites les calculs. Donc ça donnera normalement 250, 56, je pense. S'il vous plaît, est-ce que c'est la peine de continuer ou je passe à l'exercice suivant? Donc ça, ce n'est qu'un calcul, si vous voulez. C'est un calcul direct. Oui? D'accord. Donc, puisque personne ne répond, donc je continue. Je continue. Donc, je passe à l'exercice 2, si vous voulez. Ça, c'est normalement concernant la conversion d'une base quelconque vers la base décimale. Et donc, je passe à l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 2, normalement, on vous demande de faire une conversion vers l'hexadécimal. Vers l'hexadécimal. Ok, donc la première valeur 1, 1, 0, ça c'est en binaire. On vous demande de chercher la base hexadécimale et donc, ou bien octale. Pour l'octal, il suffit de faire un regroupement par 3. Et donc, ça, c'est normalement, c'est le 6 en octal. Et en hexadécimal, vous faites un regroupement par 4. Donc, vous ajoutez ici un 0, un signifiant. Ça sera toujours la même valeur, c'est 6 en hexadécimal. Alors, pour l'autre valeur, c'est 1, 0, 0, 1, pardon. 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. Donc là, c'est en binaire et on cherche sa valeur 1 en octal hexadécimal. Donc vous faites un regroupement par 3. Voilà, un regroupement par 3. Et là, vous complétez par des 0 insignifiants. Et donc ça va être 1, 0 et 5. Donc c'est 105 en base 8. Et lorsque vous voulez faire l'hexadécimal, donc vous faites un regroupement par 4 si vous voulez. Donc c'est 4, si vous voulez 4, et là c'est 5, donc c'est 45
En hexadécimal. Donc voilà donc comment faire le changement de, bon, si vous voulez, la conversion de la base binaire vers la base hexadécimale et octale. Donc il suffit de faire un regroupement par 3 pour la base octale et un regroupement par 4 pour la base hexadécimale. Voilà, donc les autres exemples, c'est pareil, c'est la même chose. Donc je passe. Alors pour l'exercice suivant, donc l'exercice 3. Je m'excuse pour l'écriture. Alors l'exercice 3, donc on essaie de convertir conversion décimale vers binaire. Donc prenons l'exemple, le premier exemple, c'est 12. Pardon. Et on cherche la valeur en binaire, si vous voulez. Là, on cherche une valeur par rapport au binaire. Alors là, pour être un peu méthodique, donc on va essayer d'utiliser, à part la division successive par 2, donc on va essayer de faire la première méthode, c'est la division successive par 2. Donc à chaque fois, donc, le reste est 0. Et 6 divisé par 2, ça donne 3. Le reste, 0. 3 divisé par 2, ça donne 1, le reste. Et donc, on fait la lecture du bas vers le haut. Et donc, ça sera 1, 1, 0, 0. Ça, c'est 12 en binaire. Donc, c'est une division successive, si vous voulez, par 2. Ou bien, vous utilisez le tableau des puissances, si vous voulez, le tableau des puissances. Donc, commençons par de la puissance 0, de la puissance 1, 2, 3, pardon, 4, 5, 6, etc. Donc, pour chaque valeur, c'est une puissance de 8. Alors, c'est un peu pratique si on a une valeur un peu plus élevée à convertir. Donc, ça, c'est 2, pardon, c'est 1, 1, 2, 4, 8, 6, 32 et 64, etc. Donc, vous pouvez carrément ajouter que vous voulez. Alors le 12, normalement, si on décompose le 12, se forme de somme de puissance de 2, donc ce n'est que 8 plus 4. Alors 8 plus 4, donc c'est 1, 1, et on complète par des 0, et directement c'est 1, 1, 0, 0 en binaire. Bon, cette table, c'est un peu pratique et un peu plus rapide, et surtout s'il s'agit d'une conversion d'un nombre un peu plus élevé. Par exemple, prenons la valeur de 35, par exemple, il y a 278, alors 268 plutôt. Alors 268, c'est quoi? Alors là, on est obligé d'utiliser notre puissance de la puissance 7, qui est 128. Et on va ajouter de la puissance 8, si vous voulez, qui est une... On va essayer d'effacer. Ok. Alors, là, on va ajouter de la puissance 8 qui est égal à 512. Alors, le 250, c'est 5. 200, pardon, 268, c'est. Pardon, ça, c'est pas 512. Hein, c'est 255. 512, c'est de la puissance 9. Donc, c'est 256. 256. Et donc là, c'est 256 plus, donc on fait la soustraction, plus 16, plus le reste, c'est 6, donc qui est 4 plus 2. Et donc c'est 1, si vous voulez. Donc 1, 0, on cherche le 16, puis le 4 et le 2, donc on complète par des 0. Ok, donc cette valeur, c'est 1, 3, 0, 1, 0, 1, 1, puis 0. Ça, c'est la valeur 268 en binaire, si vous voulez. Donc, en utilisant cette table de puissance, c'est un peu plus rapide, un peu plus pratique que faire la division par successive par 2. C'est un peu plus embêtant, si vous voulez, ça prend un peu du temps. Et puis, il s'agit d'un calcul, donc il faut faire quand même dans un temps un peu. Bon, bref, si vous voulez. Voilà, donc comment fait-on pour faire la conversion binaire décimale?
Alors maintenant, passons à l'exercice 4, si vous voulez. Exercice 4. Alors dans l'exercice 4, on vous demande de représenter, de faire la représentation flottante en simple précision, si vous voulez, en simple précision. Alors, là, on a la première valeur, on va essayer de faire la première valeur, hein, ce qui est... Pardon. Voilà, 128. Oui, c'est 128. On cherche maintenant à représenter la valeur 128 en décimale, si vous voulez, si vous voulez, à la norme 745 et 3745. D'accord, donc là, les différentes, si vous voulez, étapes à suivre. La première chose, c'est qu'il faut chercher le but du signe. Donc S égale à 0, puisqu'il s'agit d'un nombre positif. Car 128, c'est positif. Et donc, ce qu'on cherche normalement, on cherche à écrire notre chiffre, si vous voulez, sous cette forme-là. Donc, ça, c'est un bit de signe, un seul bit. Et ça, c'est E, c'est l'exposant qui est compté sur le bit. Ça, c'est la bâtisse qui est comptée sur 23 bits. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer de chercher le S, le E et la bâtisse, bien sûr. L'exposant et la bâtisse. Donc, le S, c'est le signe du bit, puisqu'il s'agit d'un nombre positif. Donc, c'est 1. Alors là, normalement, c'est la taille, non pas la valeur. Ça, c'est la taille. C'est-à-dire, il contient un bit, non pas la valeur. Donc, il est compté sur un bit. D'accord, alors le S c'est 0 parce qu'il s'agit d'un nombre positif si vous voulez. Après, on convertit la valeur 128, si vous voulez, en valeur absolue en binaire. 128 en binaire normalement, c'est 1,70. Donc c'est 1,70. Ça c'est la valeur en binaire. Et donc là, on pourrait l'écrire sous forme 1,0 fois 2 à la puissance. Combien on a décalé la value? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 2 à la puissance 7. Voilà, donc la mantisse ici, la mantisse M est égale à 1. Pardon, est égale à une série des 0. 8 sont des 0. C'est ce qui est après la virgule. Parce que ça, c'est 1,m fois 2 à la puissance petite e. Alors petite e, qui est la mantisse, est égale à 7. Alors, la mantisse e. Grand E est égal à petite e plus 127 en simple précision. Et donc c'est 7 plus 127 qui est égal à quoi normalement? C'est 7 plus 127. Ce n'est que 128 si vous voulez. On décompose sous forme de 100 de puissance de 2. 128 plus 6, plus 4, plus 2. Et donc ça sera quoi en binaire? Ça sera 1. Oui, 4, 0. Oui, 4, 0, puis 1, 1, c'est-à-dire que 4, 2 et 0. Voilà. Ça, c'est la valeur de la montée, si vous voulez, de l'exposant en simple précision. Et donc, on peut écrire si vous voulez, notre nombre en simple, en norme I3E, simple précision. Voilà, donc ça c'est 0, c'est un nombre positif, ça c'est l'exposant grand E, 1, 1, 0, et puis la mantisse, c'est une série des 0 sur 20, 23, 23, 8. Donc ça c'est la valeur finale de notre norme I3E 745. Donc voilà la méthode éclair, donc ça il suffit de chercher la valeur de S, puis la valeur de la mantisse, et puis l'exposant grand E. Et dégager chaque valeur à part. Donc ça c'est la conversion de, si vous voulez, d'un nombre décimal en norme 3745. Bon, prenons maintenant un exemple qui nécessite un peu un traitement un peu plus spécial. Donc, alors, on va essayer de voir l'exemple 64, moins 64. Moins 64,75. Alors là, c'est un nombre négatif et qui contient
une partie décimale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La même chose. La première des choses, c'est s qui est égal à 1, puisqu'il s'agit d'un nombre négatif. Il est inférieur à 0, on parle de celui-là. Alors, la deuxième étape, on cherche la mantisse. Et alors, donc, dans cette partie, on a deux travaux à faire. Donc, la valeur absolue de moins 64 plutôt que de 75 en binaire. Donc, c'est 64 si vous voulez, moins 75. Là, on cherche tout d'abord le 64 à part en binaire. 64 en binaire, c'est 1 pi 5 bien 6 zéro. La partie entière, donc on convertit la partie entière. Et il reste maintenant la partie décimale. La partie décimale, donc 0,75 en binaire. On multiplie par 2, ça donne 1,5. On garde le 1, et puis le reste, 0,5 multiplié par 2, est égal à 1 qu'on va garder, et donc le reste à 0. Donc 0,75, ce n'est que 0,11. Et donc 64,75 est égal à 1, 6, 0, 11. Ça, c'est la valeur en binaire. Alors, cette valeur-là, on va l'écrire sous forme 1,1 fois 2 à la puissance petite. Donc, on va essayer de décaler la virgule de 6 chiffres à gauche. Donc, 1, 6, 0, 11 fois 2 à la puissance. On a décalé la virgule de 6, chiffres à avant la virgule, donc à gauche, si vous voulez, la puissance 6. Et donc voilà, E est égal à 6. Normalement, grand E maintenant, c'est quoi? C'est le 6 plus 100, 127. Et donc 127, c'est 128. On va l'écrire sous forme de puissance de 8, de 2 plutôt, 128, si vous voulez. Plus 5, c'est-à-dire plus 4, plus 1. Et donc, ça est égal à quoi? 1. Et 5, c'est quoi? Voilà. 5, donc 4, 0, 128. Et puis, 1, 0, 4, 0 et 5, 1, 0. Ça, c'est la valeur de grand. Donc, voilà. On a cherché la valeur de la notice. Voilà, 6, 0, 11, pi grand E, et puis le S qui est égal à 1. Et donc, voilà notre résultat. 1, le bit de signe, et puis 6, 0, 11, c'est l'exposant. Et le, pardon, oui, c'est ça. Non, non, c'est pas ça. Donc, ça, c'est normalement la mantisse. Donc, ça, c'est le résultat égal 1. L'exposant, c'est 1, 4, 0, 1, 0, 1, et puis la mantisse, c'est 6, 0, 11, et on complète par des 0. Donc voilà notre notation I3E, 745, ou 53, 55. Donc c'est clair maintenant comment chercher la notation I3E, 745, pas la peine de refaire les autres exercices, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est clair? Avant de continuer, je pose la question, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Il n'y a pas de remarques, il n'y a pas de questions au niveau de la série? Oui, c'est clair. Alors, je me demande, est-ce que c'est la peine de faire de continuer la correction ou pas? Parce qu'il s'agit d'une application directe de ce que vous connaissez en cours, si vous voulez. D'accord. Donc, je vais essayer de faire un exemple de l'exercice 6, si vous voulez, parce qu'il est un peu particulier. Oui, donc... Alors, je passe à l'exercice 6 pour faire un exemple. Alors, l'exercice 6.
représentation décimale des nombres codés en simple précision. Alors là, c'est la conversion inverse. Donc, on suppose que vous avez déjà les nombres en normes, et 3e, 416, 716, 754, sans sa précision. On vous demande de chercher la valeur décimale. Donc, prenons l'exemple. L'exemple 1, 1, 0, 11, 1, 0, 11, 11, 0, 1, 0, 1, 2, 0. Et puis, combien de 0 là? 4, 0. Puis 4, 0. 4, 0. Et 8, 0. OK. On suppose que ça, c'est notre notation simple précision, norme et 3e. Et on vous demande de chercher la valeur décimale. Et donc, vous suivez les mêmes étapes. Tout d'abord, s est égal à 1. Donc, il s'agit d'un nombre négatif. Voilà, donc c'est un nombre négatif. Alors, deuxième étape, il faut chercher la mantisse et l'exposant, si vous voulez. Alors, voilà, l'exposant E est égal à quoi? C'est quoi? C'est petit e plus 127 en simple précision. Ça, c'est la règle commune. Alors, il est égal à quoi? Donc, si vous voulez. Voilà, donc grand E, alors, grand E, c'est quoi? Donc, ce qui nous, bon, voilà. Ce qui nous intéresse normalement, c'est la valeur de petit E. Bon, petit E, c'est grand E moins 127. C'est quoi grand E ici? À partir de l'orientation, voilà grand E. On prend 8, 8, 8. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jusqu'ici. Alors, si vous convertissez cette valeur, vous allez trouver que c'est 22, 121, 122 plutôt, moins 127. Donc, vous convertissez l'exposant grand E en binaire, en décimal si vous voulez. Et donc, c'est 2 plus 8, 16, 32 et 64. Donc, ça va donner 100, 122. 122 moins 125, 127 est égal à moins 5. Voilà, donc ça c'est la valeur de petit e. Et donc c'est quoi l'écriture générale de notre nombre m? Si vous voulez, il s'écrit 1, grand m, la mantisse, multiplié par 2 à la puissance e. Donc ça c'est l'écriture générale. Et donc ça c'est. Donc la mantisse c'est quoi? C'est 1, c'est 0,1. Donc la mantisse c'est 1 et des 0. Et donc, c'est 1,1, si vous voulez, fois 2 à la puissance moins 5 qu'on vient de calculer tout de suite. Et donc, ça, c'est quoi normalement? C'est quoi ça? Donc, avec donc moins, si vous voulez, moins m, c'est quoi? En ajoutant le signe moins, ça donne moins 1,1 fois 2 à la puissance moins 5. Donc, on peut calculer cette valeur en décimale, si vous voulez. Hein? Donc, ça, c'est moins 11 fois 2 à la puissance moins 6. C'est-à-dire on élimine la partie fractionnaire. Ça, c'est en binaire et non pas en décimale. Donc, on la convertit en décimale. C'est moins 3 fois 2 à la puissance moins 6. Et donc, vous pouvez faire ces calculs en décimale directement. Donc, ça donnera moins 0,04678 et 5 en décimale. Base 10. Donc voilà donc comment peut-on faire pour chercher la valeur décimale d'une, si vous voulez, d'un nombre qui est écrit sous la norme E3E 745. 745, si vous voulez. Donc je pense que jusqu'à maintenant c'est clair. Le reste, pour le reste de la série, ce sont que des calculs similaires. Sauf qu'en double précision, au lieu de travailler avec 1000, avec 127, vous allez travailler avec 1023. Et donc, les calculs seront les mêmes en appliquant les mêmes règles. Et là, au lieu de travailler sur 32 en simple précision, on travaille sur 64 bits en double précision, dont un réservé pour la
le signe est 11 pour la mantis et 53 si vous voulez pour le reste, si vous voulez, le reste de 64 pour la mantis. Et donc voilà, grosso modo, un petit aperçu ou un survol sur la série 2, si vous voulez. Alors voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, oui. Alors, Soukaina Dahou, il a posé la question. Est-ce que vous répétez l'exemple avec la bascule 64? Oui, oui, d'accord, ok. Alors, l'exemple avec 74. Alors, voilà, donc là, on a travaillé avec avec 4043, donc vous pourrez faire la même chose en utilisant les bascules 74-74. Donc voilà, on va travailler sur le même exemple. On va ajouter le 74. La seule différence, c'est que là, il y a un inverseur. Mais le fonctionnement, c'est carrément la même chose. OK. Alors, je vais essayer de supprimer ces bascules et introduire les autres bascules de 74-74. On va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. D'accord, donc on refait la même chose. Donc la sortie et l'entrée des qui vont être branchés. La sortie plutôt Q' qui va être branché avec l'entrée. Même chose pour la troisième. Et déjà pour l'exemple avec 4, si vous voulez, avec 4 bascules, il est déjà fait avec 74-74. Donc ces bascules-là sont faites à base de 74-74. Mais ça n'empêche pas, on va le faire en utilisant tout court 3 bascules. Alors, pardon. Oui. J'ai fait un mauvais branchement. C'est la sortie qui prime, normalement, Cuba, qui va être branchée avec l'entrée. Voilà. Normalement, on doit l'afficher, non pas la réinjecter. Même chose pour troisième. Ok, donc on va essayer d'afficher la première. Pardon, ok. Ça, c'est la première sortie. La deuxième sortie, peut-être branchée avec le deuxième bit. Et la troisième, avec le bit de poids fort. Ok, et la masse. Donc, il suffit de brancher maintenant l'horloge à la première bascule. Et bien sûr, la première bascule va servir l'horloge de deuxième. Et la deuxième va servir comme horloge du troisième. On va essayer de voir si ça va marcher. 0, 1, 2, 3. Et donc, apparemment, ça marche. Apparemment, ça marche. Donc, de la même manière. Sauf que là, la seule différence, mademoiselle qui a posé la question, mademoiselle Sokina, la seule différence, c'est que là, lorsqu'on voulait forcer l'arrêt du compteur, alors, c'est ça la différence. Lorsqu'on a forcé l'arrêt du compteur pour qu'il recommence à zéro, donc là, au lieu de lui communiquer un 1, donc on doit communiquer un 0, tout simplement, parce que là, on doit inverser cette entrée qui est présente, si vous voulez, sur ce pad-là. On l'inverse, d'accord? On l'inverse. S'il était à 1, il va être à 0. S'il était à 0, il va être à 1. Tout simplement. Et avec l'exemple, avec 74-74, on n'a pas cet inverseur-là. On a une sortie normale, c'est une entrée plutôt normale. Voilà, je vais essayer de zoomer sur. Pardon. Ok. Voilà, donc, c'est pas. Non, je voulais parler des bascules 13-43. Alors, 43, voilà, c'est ces bascules-là.
Donc, ils n'ont pas d'inverseur ici. Donc, ils présentent ou bien on injecte l'entrée, bon, l'entrée qu'on envoie. Pas la peine de faire une inversion. Voilà. Est-ce que c'est clair, mademoiselle Sukina? Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'accord. Alors, s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques, si vous voulez, concernant que ce soit le cours ou bien la série, donc. Sinon, donc, on ferme la réunion, si vous voulez. Oui, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, alors c'est à vous la parole. Oui, mademoiselle Hajar, vous voulez dire quelque chose? Ok, donc personne donc, ne présente, si vous voulez. Personne ne lève la main? Personne ne veut intervenir? Si vous avez des remarques, alors si vous avez compris, ok, il faut le confirmer. Il faut le confirmer. Est-ce que c'est clair, non? Est-ce que c'est clair la séance d'aujourd'hui? Est-ce que c'est très clair? Ok, c'est très clair. Voilà, donc je vous remercie pour votre disponibilité. Et donc à la prochaine fois, Inch'Allah. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut quand même bien travailler la série 3, parce que là, on a manipulé un peu la table Carnot et la table vérité, donc il faut maîtriser quand même, maîtriser l'utilisation des tables Carnot, parce qu'on va l'utiliser par la suite, d'accord? Et c'est un élément qu'on doit maîtriser en main, pour qu'on puisse concevoir et faire des circuits séquentiels un peu plus compliqués quand même. Donc il faut bien maîtriser les tables Carnot. Voilà, donc c'est le seul conseil que je vous donne. Donc, il faut l'envoyer le plus tôt possible. Donc, je vais vous donner un délai sur Google Classroom pour la série 3. D'accord. Donc, pour le cours, on est bien avancé, on est dans les normes. Donc, il ne nous reste qu'un petit chapitre simple, hein, et quelques séries, si vous voulez, et quelques travaux pratiques concernant la conception, la création, la réalisation plutôt des circuits combinatoires et des circuits séquentiels. Oui, compte rendu de la série 3. Donc, je vais vous envoyer sur Classroom le délai de dépôt. D'accord, mademoiselle Rizlan, oui. Donc, vous êtes censé de faire un compte rendu de la série 3. D'accord. Alors, sinon, donc, oui. Oui, alors, pour le DS, comme j'ai dit hier. Pour le moment, il n'y a aucune information sur le DS. Une fois qu'on aura une information, je vais le communiquer et je vais la communiquer tout de suite. D'accord? L'essentiel, c'est qu'il faut être sûr à n'importe quel moment, en fait. Oui, si vous voulez, sur Word. Hein? Sur Word, bien sûr. Non, pas sur Excel. Sur Word, vous rédigez la rédaction. Bon, alors, rédigez votre série sur Word, si vous voulez. Ou bien, comme ce que vous avez déjà fait avec les anciennes séries. Donc, vous faites des captures, si vous voulez, d'écran ou photocopie, quoi. Faites des photos de votre résolution, si vous voulez. Peu importe la méthode, mais l'essentiel, c'est que vous travaillez, en fait. Oui? Oui, mademoiselle. Si on a envoyé notre compte rendu à votre Gmail, ce qui n'est pas accepté? Non, c'est pas une question d'accepter ou non. Sauf que là, on voudrait quand même organiser les choses. Essayez de valider la série sur Google Classroom, comme ça, les choses sont bien organisées, d'accord? Parce que mon email, il est plein d'autres mails. Ce n'est pas vous, la seule promo que j'enseigne, d'accord? C'est mieux de respecter la Classroom, comme ça, chaque étudiant garde ses copies chez lui, d'accord? Comme ça, là, chacun a son compte. Pour les comptes rendus déjà, qu'on a déjà fait. Ok, c'est bon, c'est pas un problème. Vous pouvez les... Bon, c'est pas un problème. Dorénavant, pour la série 3, il faut la valider sur Classroom. Les autres, je vais les prendre en considération. Ok? D'accord, merci. Ok, de rien.
Alors, je vous remercie encore une fois pour quand même, votre disponibilité et à la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, je déclare la clôture de la réunion. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.